Non, avec moi là, s'il vous plaît. Laissez-nous avec moi. Laissez-nous là, hein. Entendez-nous là. VOA Creole. Nous branchons là, Nathan, mon fils Valérie, qui va dire s'il t'entend bien. Avant nous DAP, Jacques Jean-Baptiste, est-ce que vous entendez tout? John T, est-ce que vous entendez moins? Diane, est-ce que vous entendez moins? Denis, est-ce que vous entendez moins? Louvain, est-ce que vous entendez moins? Moins branché, oui, mais est-ce que vous entendez? Madame qui t'a demandé si elle m'a fait exposer. Vous entendez mon ya? Eh bien, nous allons, puisque les gens m'ont dit que vous entendez mon ya. En tout cas, Charity à ce plan international, nous avons dit un gros bonsoir. Salutations depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. Nous dérapé la Russie, en fait, le président Roussa a menacé l'Union Européenne, particulièrement pour saisir tout bien que l'Europe possédait la Kaili. Si on a osé saisir l'argent que mais saisir bien que le gain en Europe. Donc a aussi dit que lui-même il paye pour le prendre tout bien que citoyen ou bien entreprise européenne possède la Cali. Si on a saisi l'argent pour t'avoir financé ou construction pour t'avoir financé Ukraine. Donc il dit que bien que l'Europe ait la Cali plus que ça lui-même pays possédait sur le continent européen. Donc, il dit attention, avant de commencer à agir, parce que même ça, le café lui-même. Mais je dis le même. Ici, aux États-Unis, tu as un groupe qui est en faveur des Palestiniens, qui était dans le Congrès, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le ministre de la Défense et Lloyd Austin, qui a fait des positions devant la commission du Sénat sur le dossier Israël. Côté de demandé l'argent pour financer la guerre, pour bailler Israël, pour l'argent pour financer la guerre, Israël a mené contre Hamas, contre Hamas, et militant Hamas dans le territoire Gaza, et bien, Mounio, mes amis, c'est un groupe qui est en faveur des Palestiniens, qui peut tirer mais tout de rouge, et puis pendant ce qu'il y a des étapes, il peut lever, mais alors même pas aujourd'hui même, pour démontrer sang. Donc, le peintre met un tour de haut pour être monté sans cap pour être dénoncé. Ça, Israël a fait et dans le territoire Gaza. Donc, la police est venue, ils ont accompagné les gens, ils ont fait sortir. Gentiment, ils ont fait sortir. Ils ont mis un groupe qui était dans la salle là. Et c'était des gens qui étaient en faveur des Palestiniens. Puis après, il y a une moitié qui est tombée. Donc, quand les réfugiés, alors, Israël a annoncé lui-même, il est entré dans la troisième phase. Guerre a mené contre les militants à Massieu, même si le premier ministre Netanyahu dit son guerre à plomb en pile, et bien lui-même lui dit qu'il est entré dans la troisième phase dans la guerre. Et parce que l'opération a mené à terre et en l'air, côté a bombardé tout ça qui campait en Israël, et dans le territoire Gaza, et tout ça qui campait, monsieur, la guerre bombe sur. Il y a l'hôpital qui est victime, il y a l'autre barrière qui est écrasée, etc. Mais il a annoncé tout que tout y a un militant qui semble être responsable attaque que le groupe militaire Hamas a fait sur Israël. Côté de tout, il y a 1400 personnes. Et 7 octobre passé, depuis Israël a pris contre Kif, à Katakla, d'après sa ministre de Santé publique. Et le ministère de la Santé publique et territoire Gaza fait qu'on est, et bien, il y a 8000 Palestiniens qui mourent et parmi eux, il y a un petit monde. Mais Israël a annoncé tout dans l'opération que menait, il semblait être libéré un soldat que monsieur Hamas a pris en otage. Pendant tout, il y a l'autre otage encore qui est toujours dans le même groupe militaire palestinien. Groupe militaire Hamas, pour me dire plus bien. Ce n'est pas tout Palestinien qui forcément. Militants Hamas. Nous allons en Haïti là. Le gouvernement haïtien sorti une note pour lui expliquer. En particulier, il y a tout et OFNAC, qui est l'Office national, l'Office d'aviation civile. C'est l'agence haïtienne qui occupait les affaires
aéronautique, donc OFNAC, et qui lui-même est directeur a été sorti pour le débat, quelques explications pour expliquer les raisons qui chita des décisions gouvernement pour suspendre tout vol qui a sorti en Haïti qui peut aller dans Nicaragua, et sur la partie de hier. Il y a des gens qui babillent, des gens qui ont babillé, qui disent qu'ils étaient déjà dans l'avion, ils ont fait descendre, ils disent que l'avion ne va pas partir encore, parce que le gouvernement était dit voyage là. Mais il y a des gens qui ont été dans un vol qui était fait déjà. Il y a un vol qui était dans Haïti déjà. Et non, on voit que nous regardons sur ces flyers, et bien nous voyons que ça semble qu'il y a un vol qui fait bien taille. Soit nous ne pouvons pas connaître ce fait, non, mais il t'a montré que c'était un vol qui était fait d'accord. Et même matin, c'était un vol qui était programmé. Alors on a dit que ce n'est pas seulement. Et ce n'est pas seulement n'importe quoi un vol de fait est fait dans la campagne. Donc en plus de débat qu'a fait, soit fait décision gouvernement. Le gouvernement a expliqué que ce n'est pas une décision définitive, mais son bagage provisoire qu'il prend. En attendant que vous mettez l'ordre, parce que vous dites que vous avez pile des ordres dans l'aéroport. Il y a près de 2000 personnes qui ont présenté dans l'aéroport qui n'ont pas fait pour ça. Et les gens ne sont pas dans l'aéroport parce que pour utiliser et faciliter ou bien encore pour utiliser l'installation qui est dans l'aéroport. Tant que toilette par exemple, il faut qu'on parte, il faut qu'on rentre dans l'aéroport. Donc les gens qui sont dehors, pourquoi pas, ils ne sont pas partis. Donc les gens qui sont venus, ils sont venus, les gens qui sont venus en ligne, ils sont venus demander pour qu'ils viennent, ils viennent prendre un avion, les gens qui par contre sont partis effectivement, bien que qu'ils n'ont pas qu'être contrebandier, un tas de paquet de monde qui présentait comme des agents, ce n'est pas agent de voyage, mais c'est des gens qui ont organisé tout. Et puis, ils ont dit, ils ont pris comme dans les gens, et puis ils ont organisé entre eux-mêmes. Il faut être avion, parce que l'avion qui vient, c'est votre château, c'est l'Elvini, c'est loué ou loué. Donc, il faut que payer l'avion pour le venir. Donc, il y a un nombre de monde qui l'avion capable de prendre tout. Et il t'a semblé trouver plus de monde, plus de monde à attendre. Donc, on a dit qu'il y a des autres qui ont fait tant que ça. Donc il voulait que on l'ordre qui mettait. Et puis il voulait tout pour que l'organisateur mette un manifeste avec nos passagers, etc. Et puis pour qu'un contrôle pour utiliser Haïti, tout le monde qui a l'avion vivant côté à côté. Mais tout avion qui vient, il a semblé que l'avion a utilisé une compagnie locale qui lui-même a une licence exploitation, vol, Port-au-Prince. Avec Managua. Donc, il a utilisé parce que l'avion va carrément descendre, il dit chercher le monde. Il faut qu'on entende qu'il fait, etc. pour l'avion. Donc, on sort un dossier qui est très difficile et très compliqué parce qu'il y a des gens qui ont joué, il y a des gens qui ont perdu l'argent, il y a des gens qui ont payé 3 000 $. Alors que il y a des gens qui disent qu'un voyage en Port-au-Prince, normalement, à Managua, ça a dû coûter 600 $. 600, 700 $, c'est ça que. Quelques monde qui a fouillé te dit de carcouler à la rigueur 700 $ à la rigueur. Alors le fait que mon ne va pas un visa gratuit ou pas de pas un visa pour payer ou pour aller, mais agence tout les conseils de bali faire faut l'avion, donc là on met ensemble il y a avion qui prend 150 monde, il y a avion qui prend 200 monde, donc faut que l'avion et faut que remplir avion. Donc c'est comme ça que monde que il t'a semblé que et monsieur qui a organisé un type de voyage à eux, il y a eu plus de monde. Et ce n'est pas un seul monde, il y a plusieurs monde qui ont mis ensemble, qui ont fait même là là. Donc, tout le monde a mis l'eau. Donc, au final, il dit qu'il voulait pencher sur le dossier et puis il voulait organiser, réorganiser et puis mettre un petit peu l'ordre dans ça qui vient. Par exemple, il y a 2000 monde qui viennent devant un aéroport, qui campent devant un aéroport, qui paguent à Sanda et qui ont des besoins physiologiques. On a mangé, l'a mangé, il a besoin de pipi, il a besoin de faire l'autre besoin encore, etc. À qui côté va le faire? Pas grand-rien de là qui est disponible pour nous. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons des fois, nous n'avons pas la Cali, nous avons dormi dans l'aéroport, pas dans l'aéroport, mais dormi dans le parking qui un parking qui est en face là. Donc, des problèmes qui vraiment, que, on a dit que l'a mis ça. Ranger tout le monde d'abord, il était même formé sur une task force, une sorte de comité qui était pour pencher le dossier, ce dossier et faire des recommandations, et puis à partir de là, pour être capable de même continuer à faire. Mais on dit que c'est une décision qui est provisoire. Il n'y a plus de raison que la décision ça explique tout, parce que l'autre côté, il y a des gens. Si c'est destination plus tard avec l'idée de venir aux États-Unis, et bien, on peut descendre Managua ou Nicaragua, et puis passer de l'autre côté dans l'Amérique centrale là. Traverser tomber Guatemala et au fond que tomber Guatemala qui est frontière avec Mexique c'est Chiapas et t'as Chiapas, il y a entré Chiapas
son longue route pour sortir état de sa passe pour entrer pour aller et sous frontière. Alors problème qui gagne dès que début rentrer au Mexique, obligé autorisation de circulation etc. Donc il y a deux bonnes calfettes. Capacité agence immigration au Mexique, agence qui bat autorisation au Mexique, capacité le moins c'est pas qu'à Kimbi, tout comme ça. Moi-même les mal dans ce nom, nous avons la difficulté que gagne du que y a pas un cas. Il y a des gens qui ont fait 3 mois pour que je nous permis. Et parfois, ils ont perdu patience. C'était quand ils ont fait un petit coup fini. Donc, il y a des gens qui disent bon, carrément, vous allez. Il y a des gens qui ont fait un saut là, vous n'avez pas d'autorisation pour voyager. Vous n'avez pas de voyager, la police pour retourner. Quand vous sortez, vous retournez dans l'état de passe encore. Donc, c'est Tapachula, donc c'est capital état. Donc, ils ont fâché, etc. Donc, il y a un pile réunion, toute pression, toute tape, et tout. Sous administration président Manuel López Obrador pour te limiter ou pour te contrôler flot immigrants qui quitter la Cali pour venir sur frontière. Et là ils sont frontière son problème pour États-Unis parce que c'est États-Unis qui veulent venir. Donc mon gens mon qui victime activité criminelle mafia voler point cobio bon paquet de bail qui arrivé donc administration américaine dans certains points intervenu. Et on a fait même plusieurs rencontres même avec l'autorité mexicaine pour discuter des questions, pour dire ouais, dans quelle mesure capable de contrôler le flot. Et peut-être prendre des mesures même pour protéger les immigrants qui viennent surtout dans la ville frontalière. Donc c'est un bail qui débat en Mexique, en pile problème tout. Donc Mexique, dernièrement, là, tu organises une réunion avec le pays, et en particulier Haïti, Cuba, et Nicaragua pas invité, mais tu es Venezuela et puis tu es Nicaragua. Et avec l'autre pays, t'as quoi, Équateur qui devine en Union Colombie tout, qui devine parce que les immigrants qui sont en Amérique du Sud, ils les reviennent en Colombie par exemple, ils passent du côté que les Nekokli, c'est un petit ville qui bord là, mais là c'est là où on bateau qui pour traverser avoir pour aller déposer l'autre bord. Jacqueline Bélis, c'est ça qui passe. Donc pour aller déposer l'autre bord et lorsqu'ils ont traversé de l'eau ça, le bateau amène l'autre bord. Et c'est là où on commence la route, là, c'est là où on commence à aller monter dans le Rac-Bois et on commence à prendre la forêt d'Ariane, forêt d'Ariane, pour que les migrants racontent. Misère que vous passez, il y a des gens qui prennent 3 jours, il y a des gens qui prennent 4 jours, il y a des gens qui prennent 6 jours pour traverser, monter maintenant et descendre maintenant pour tomber Panama. Parce que la forêt est séparée et pas de route officielle, pas de route officielle, c'est de rager les gens qui passent et qui te tracent pour permettre l'autre immigrant qui est derrière ou qui est passé pour qu'on route là. Donc, lorsque tu es Colombie ou pour un éco-cliquer, tu es Colombie ou traverser ou payer passage pour aller, tu es empêché les gens vendre des tickets pour aller, pour empêcher les immigrants d'aller parce qu'on ne peut pas aller à la nage. Mais là, on arrive à Panama, de Panama, ils continuent route là avec ça. Ça, c'est pour une qui sont au Brésil, Chili, à l'autre côté qui fait route là comme ça. Donc, tu as une petite pression que tu as faite sur la réunion. Ça, c'est une réunion, c'est un mini-sommet sur l'immigration côté président López Obrador. Tu as rencontré des gens et parmi eux qui ont gagné, le premier ministre Henri Vitale. Et le sujet, c'était qui nous a fait pour nous contrôler les gens qui sont dans la caille et qui gagne seulement objectif là-dedans. Suivez mon regard. Je comprends ce qui passé exactement pour dire que ça passé comme ça. Et mais son dossier qui est chaud et son dossier qui n'est pas fini parce que le dossier immigration aux États-Unis, pratiquement depuis après tellement de terre là, sous l'administration Martelly, il y a passeport comme ça, vendre, montrer comme ça, faire passeport, puis te mettre tête Chili. Les gens ont ambassade qui fait qu'on est même que les gens ont l'ordre ici, qui peuvent être haïtiens, venir au bois sans visa. Et nous comprenons qu'il y a un quantité d'haïtiens qui débarquent au Brésil avec Chili pour des territoires. Eh bien, ils ont passé des années, après des années, ils ont vendu ça à des procédés et puis ils ont continué. Ou tu as avec objectif de arriver aux États-Unis, il y a qui arrive, il y a qui pas arrivé, il y a qui toujours au Mexique, qui peut arriver parce que soit pour quelque soit raison, qui toujours bloqué au Mexique et qui la captonne, qui a espoir que le jour va arriver. Mais autorité américaine fait connaître tout. Et pas qu'il y ait des gens exploités, non, pas qu'il y ait des gens profiter de situation non, pour exploiter non. Il y a des moyens actuellement que l'autorité américaine met à la disposition des immigrants pour qu'ils rentrer aux États-Unis par voie légale, sans pas besoin de risquer la vie, et dans le bois, faire voler, piller, casser pour être ou prendre l'argent en main. Et donc, il y a un là-dedans, c'est le programme, les programmes Biden, non, et il y a un autre programme qui est le programme de réunification familiale. Donc, ça dépend de participer dans un programme. Il y a des moyens légaux qu'on va venir sur la vie dans le monde.
casser pour être bien longer $3,000 au monde pour mon promet tous et mon émerveil comme je Baptiste l'a dit faut qu'on ait que tout bail là c'est bail a passé bien passé et puis là on vient en route garder au parent je n'ai tout sont à attendre pas arriver et voyage là yo mon qui t'a parlé les îles même là fin ben $3,500 ou $4,000 faut rien qu'on pour faire route là toujours parce que comme ça et déposer déposer en côté avec là il faut continuer voyage là jusqu'à ce qu'on vienne au Mexique et là on vient au Mexique faut dormir faut manger tout bail ça yo il y a mon qui famille qui a payé mon famille qui a bon bois à tourner à arriver et là il faut ça toujours pas connait quoi pour etc. donc son dossier qui vraiment sensible nous n'a suivre tout déclaration autorité haïtien faire pour nous dans qui mesure déclaration ça qui rationnel qui gagne là-dedans avec et je dis son bail pour visualiser est-ce que vraiment approuvé pendant ce temps gouvernement et Moussa Binader là alors agence et Dominique qui occupe le affaire aviation civile là lui-même beaucoup de parle et bien lui lever partiellement interdiction et voyage et avion vol aérien qui t'a soutenu en Haïti pour venir en République dominicaine et cela sont des décisions qui prend hier et n'a dit que depuis jeudi le gouvernement dominicain a signé avec quelques regroupements politiques même dans société civile là une sorte de résolution encore on d'accord pour eux garder sa capacité en Haïti pour aider le jeune solution avec le problème Haïti. Donc c'est une commission qui peut faire des recommandations sur sa capacité en Haïti. Et qu'on y a agence qui occupe l'aviation civile en République dominicaine dans lui-même, il a levé partiellement et partiellement, il a dit seulement parti vol aérien. On va continuer à nous toucher et parce que c'est maritime, terrestre et aérien. Mais aérien est autorisé que l'avion est capable de sortir en Haïti, aller en République dominicaine, tout comme l'avion est sorti en République dominicaine, venir en Haïti. Et puis, il y a une délégation de l'OEA, et dans cette technique, l'OEA qui est allé en République dominicaine déjà pour visiter, qui est survolé et rivière, massacre pour terre, construction de barrages, différents canaux d'irrigation que Dominique a construit, et même de garder par Haïti à tout pendant le temps survolé. Et bien, délégation s'est arrivée en Haïti hier. Ils ont rencontré avec le ministre des Affaires étrangères et accueilli. Ils ont été avec tout représentant Haïti dans le Ratou et Léon Charles, l'ambassadeur Léon Charles qui était là tout dans la délégation. Et bien, ils ont fait des positions aux autorités haïtiennes sous question canal et irrigation, canal irrigation dans le massacre dans le nord de ça. En plus de ça, il y a été la pluie, l'eau descend, la rivière Massacre descend, il est entré dans le canal. Et Yolaine Jean-Baptiste a mouru, bien que ça, par contre, on dit à nous. Oui, et l'eau entré dans le canal là, donc le comité qui a supervisé la construction du canal là, et bien, matin, il était. À pied d'œuvre, et bien côté de TAPC, ouais, et puis il était ici, l'eau qui est entrée dans le canal là, pour permettre que le travail là, et continuer, mais le travail là, cramper là, qu'on y a là. En attendant, il était ici, l'eau qui était entrée dans le canal là, mais il dit, selon ça, que le correspondant à nous, Jodelet Junior Civil, dit non, il dit que le canal là pas crasé, mais l'eau entrée et il demande, il faut qu'il retire de l'eau pour que le travail là, il est capable de continuer. Voilà, c'est là nous sommes dans la situation là. Et mais tout le monde attend parce que Haïtien voulait que l'autorité dominicaine levait toutes sanctions envers tous les bails mettés sur Haïti sans condition tant qu'on a fait biométrique là son bail l'arrivé pour garder les yeux pour empreinte etc. Parce que dominicain et autorité dominicaine dit que une problématique avec la situation Haïti c'est que il parle qui est haïtien, qui est ce monde qui n'a pas payé. Tout le monde entré, c'était tout le temps qu'on savonne. Mon rentré, sorti, il est ouvré. Rentré, il est ouvré, sorti, il est ouvré. Il y a une condition étudiant qui est en République dominicaine, qui est obligé parce que les Dominicains ont une loi, l'ordre de la Cali, pour qu'on fasse un mois, pour qu'on fasse sortir pour retourner encore. Donc, les gens qui sont bloqués, il y a des gens qui ne sont pas sortis. Et à cause de pas d'immigration, pour mettre des secours, pour qu'on ait mis des sacs levés là, pour qu'on ait des sacs capables de garder. Mais c'est vrai, il y a ni, c'est pas même à la frontière qui doit permettre de sauver, parce que la frontière techniquement toujours fermée. Même si les Haïtiens et les Dominicains ouvrent la frontière pour venir acheter seulement dans la limite marché, on ne peut pas faire plus loin que la limite marché,
donc haïtien pas ca aller pas ca font pas ca aller haïtien dit en même je pas parler et surtout dans mon dans la météo mon fermé en même faire zone pas avoir dit par sa pièce tout autant que pas rien aussi t'a parler sérieux qui fait sous dossier haïtien dominicain pour des restrictions qui pour lever pour à faire visa on procès de problème que gouvernement dominicain imposé pour que autorité haïtienne qui pas parler trop de dossier dernièrement premier ça elle était font parler de ça mais c'était à pied je suis passé sous le dossier il a dit oui il y a des débats qui pour résoudre il y a des problèmes qui pour résoudre entre Haïti et la République dominicaine surtout dans la relation parce que deux pays que vous voulez que vous parlez une pas aller une pas aller quitter l'autre là pour rester pour contre tout le monde tous les n'a prêté dans même côté n'a prêté dans l'espace pas nous donc faut que nous rester faut que nous entendre faut qu'on entende qui jeune quand même. C'est pas pour une fois deux pays partagent un projet qui a un problème, donc des problèmes qui doivent résoudre finalement. Et qui s'agit pour nous, je dis alors, nous te parlons de monde qui en fait pas des signes, qui fait des, qui tombe fait bruit. Tombe fait bruit pendant que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avec Lord Austin, ministre de la Défense, a fait des positions, qui a demandé l'argent pour l'Ukraine, avec en particulier Israël. Eh bien, moun sa yo leve men yo di, se sang ap koule, yo proteste, eh bien, polis kapitan la. Gentiman, il pon moun sa yo mette yo deyo, mette gen lot moun ki pa tap fè boui, ki te an silans men ki te leve men yo la, et men yo te gen peinture rouge, ki se symbole sang, pou te mette koman sang ap koule, etc. Et ke yo reproche Israël, sou fason ke la mene atak pou li deniche ou ve deshouke. Monsieur Amasio, alors que il y a des victimes innocentes, et parce que Israël tiré sans garder, sans considération, alors que il y a appel qu'a lancé, que ce soit les États-Unis, d'autres pays et pays occidental qui a lancé appel pour demander Israël font camper. Mais Monsieur Netanyahu dit, États-Unis pas de camper, peur la bol à fait là, pas de camper dans ça, il pas de camper les l'État attaqué M. Ben Laden, il pas de camper malgré appel qui t'a lancé, ben lui-même, il dit Israël pas de camper lui-même, il pas n'a aucun si c'est le fait, ben là pour gommer, là pour continuer gommer avec et groupe militaire Massou Jismaimi. Et il dit la troisième phase, li, et M. Lagibom à droite à gauche, et tout comme tout, et Hamas a semblé que y a quelques tirs, quelques roquettes qui sortent dans la position dans la zone Liban, dans Lebanon, dans Liban. Donc et Israël repousse tout, les tirer quelques mortiers tout, dans la position que très certainement le groupe qui sympathise avec Hamas, qui dans l'autre bois n'a parlé de Hezbollah. Qui ont même guerre c'est quelque tour en Israël et Israël répond kif tout donc son guerre et premier ministre tout dit que son guerre qu'il a pour quelques jours qui pourra finir en attendant monsieur yo déjà et Israël déjà normalement techniquement monsieur souterrain dans le territoire Gaza et bien en Haïti c'est toujours n'a prêté pour nous ça qu'a dit qu'il l'autre activité qu'a mené puis yo libéré secrétaire général HTCA n'a pas au conseil de transition ACT au conseil de transition n'a pas Antony Saint-Pierre que nèga m'était kidnappé ben monsieur jeune libération m'a pas trop de détails sur libération est-ce que son libération qui fait contre rançon m'a connait mais au moins que nous gain un correspondant nous c'est Emmanuel qui confirme pour nous que monsieur est jeune libération et monsieur qui était kidnappé de libérer lui et qui ça encore que nous avons dit nous sur l'autre dossier qui a un rapport avec la situation et politique en Haïti. Nous connaissons que bon pratiquement le chômage en Haïti à partir de demain, donc c'est le jour des morts. Et 1er et 2 novembre, bon, monsieur gagne deux jours devant eux là, et tout va être fermé pratiquement. Et puis, bien, nous parlons de libération, hein, nous parlons de et l'autre activité qui gagne, que ça gagne encore. Bien. Bon, on était parlé de l'activité.
n'attend pour penser que l'autorité est pour bail sous dossier là. Et puis le rentrer du ministre puis il y a une libération ligne voir si c'est contre rançon. Et la police continue à mener opération contre l'armée. Puis va dire que vite l'homme gagne $1 million, mettez des têtes les plus assis. Parce que ici, aux États-Unis, monsieur inculpé. Donc, et, si au point monsieur vient ici aux États-Unis avec, monsieur a couru risque pour le passer toute ville en prison aux États-Unis. Donc, c'est comme ça, la situation est là, maman. C'est un peu comme le nous encore ce dossier pays d'Haïti avec le dossier libération entre les Virginie Saint-Pierre là, que Mme Maniga ensemble avec un autre pasteur a été pour le premier ministre pour demander pour te prononcer ce dossier. On l'a quitté une lettre confidentielle, mais qui était prend la rue quand même. Et ça qui pas fait mon signataire, laisse ça au plaisir, parce que c'est un bail confidentiel lié, mais pour quelque soit raison, laisse ça dépend la rue et on connaît. Tout le monde a utilisé. Et on a parlé de laisse ça en pile, de ça qui était là, dans le contenu, qui dégage alors que c'est un bail qui était visé seulement, qui était doué, traité entre ACT avec le gouvernement haïtien. Eh bien. Donc, je dis tout le monde qui va l'engager demain à l'engager, c'est fait. Le monde qui va jeter de l'eau, aller sac les cimetières, jeter de l'eau pour moi, la café, bail café, et devant l'église ou bien encore devant le cimetière pour moi. Pour moi. Et puis, bien. Mais passé un bon moment, normalement, avec nous encore plus tard, dans le journal radio sur télévision, que des amis pour nous parler de l'autre grand point qui s'est abdominé actuellement, c'est parce que dans les États-Unis, tout le monde, tout le monde, une réunion qu'elle fait sous dossier Israël là. Et puis, j'ai toujours dit ça pour parler non de l'intelligence artificielle que les États-Unis prennent, pas prendre décision, mais au moins prendre dossier en main, côté que par exemple, un public, on décret même, et côté qu'il parlait de nécessité pour régulariser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle là pour bien-être ou pour protéger la population. Alors, on a toujours l'intelligence artificielle là, c'est pas que vous faites un petit bagage. Vous faites un petit bagage et puis vous faites ses voix pour un petit bagage là, alors que en réalité, c'est pas du tout. Mais tout, il y a l'autre aspect là-dedans, il y a pas qu'à utiliser pour traiter le cancer. Il y a l'autre aspect positif, mais il y a pas qu'à négatif tout là-dedans. Alors, mes amis, on a parlé, on a mal travaillé, on a fait mal travailler, on a fait mal travailler pour nous. Ah oui? Et bye bye tout le monde.